ce qui se passera si vous l'utilisez? Oui. Dites, on vous entend crier depuis l'autre bout de l'île. Tant mieux. Skelly, je dois savoir que Yennefer de Vengerberg est une misérable voleuse. Reprenez-vous, voyons. Je n'ai rien volé, c'est juste un emprunt. Je vous rendrai le masque dès que j'aurai terminé. Oh, mais quelle générosité! Le problème, c'est qu'une fois utilisé, le masque n'aura plus la moindre valeur. Sans parler du risque de déclencher une catastrophe et d'engloutir toute l'île sous les flots. Comment ça? Que veux-tu dire? Ah! Elle ne t'a rien dit? Comme c'est étonnant. D'après la légende, la mère folle de jalousie aurait pris la vie de la bien-aimée d'Ouroboros. Incapable de supporter sa disparition, Ouroboros forgea le masque afin de pouvoir scruter le passé et revoir une dernière fois sa dulcinée. Sachant que le masque ne fonctionnerait qu'une seule fois, il repoussait chaque jour son utilisation. Et chaque jour, son désir grandissait. Lorsque la mère apprit l'existence du masque, elle ne tarda pas à faire savoir que quiconque l'utiliserait déchaînerait sur lui sa terrible colère. En châtiment, les flots envahiraient les terres et engloutiraient les vivants. Attends, personne n'a jamais utilisé le masque? Non, mais... Donc tu ne sais même pas s'il fonctionne ou comment? Les mythes sont formels. Et toi, tu y crois vraiment? Seuls les imbéciles font l'erreur de ne pas y prêter foi. Et de toute façon, là n'est pas la question. Yennefer a commis un vol. Écoute, vol ou pas, Krar nous a donné son accord. Tout d'abord, c'est peut-être son île, mais c'est aux druides qu'il incombe de la protéger contre toute forme de magie. Ensuite, après le cataclysme, c'est Krar qui a fait appel à nous pour restaurer ce site. Et pour finir... D'où provient ce bruit? Non! Yennefer a utilisé le masque. Vite! Suivez-moi! Il faut neutraliser le masque, faire taire son pouvoir. C'était quoi, ça? Des licornes. Arrête un peu, tu veux? J'ai vu les Brumelins. Comment sont-ils arrivés ici? Ils ont été invoqués par le pouvoir du masque. D'après Sakasuri, le masque pourrait déclencher une catastrophe naturelle. Eh bien, heureusement qu'il est là. C'est l'homme de la situation, non? Il va être foudrage. Tu t'en rends bien compte? Bon, je crois que je survivrai. Et maintenant? Le masque révèle le passé, mais seulement à des endroits précis. Des endroits fortement imprégnés d'énergie magique. Prends-le. Tu veux que je le mette? Oui. Je vais utiliser un sort pour voir par tes yeux. Tu vas encore lire dans mes pensées? Ça te pose un problème? Tu le fais quand ça te chante, dans tous les cas. Alors il n'y a pas de mal à cela, n'est-ce pas? Allons-y. J'ai trouvé le premier site.
sais ce que je dois faire. Ne m'enlève pas avant que tout soit terminé. Et ne t'éloigne pas de moi. Il est parti à un rayon. C'est quoi, ça? Un portail? Oui. Et deux personnes en sont sorties. La femme, c'était Ciri. Comment le sais-tu? Sa démarche, c'était celle d'un sorceleur. Ils sont partis par là. Viens, allons chercher le site suivant. Mets le masque. Attention! Qu'est-ce que c'était? Une sorte d'explosion magique. Si puissante que même son écho était dangereux. C'est ce qui a dû détruire la forêt. Mais Ciri et son compagnon s'en sont sortis indemnes. Je les ai vus s'échapper. Allons voir où. C'est sinistre ici. Je n'aime pas ça. Moi non plus. Les gens qui étaient là quand c'est arrivé avaient peu de chances de survivre. Je vois ce que tu dis. Mais ne t'en fais pas. Ciri sait se débrouiller. Tu es prêt? Utilise le masque. Tu as vu? Quelqu'un poursuivait Ciri. Elle est peut-être blessée. Elle s'est enfuie par un autre portail. Tu sais où elle est partie? La piste magique remonte jusqu'à... Hélène. Le compagnon de Ciri a fui par un portail, lui aussi. Tu pourrais peut-être retrouver sa trace et sa destination. Je vais essayer. Mets le masque. Au combat. L'un des deux combattants a repoussé l'autre, puis s'est enfui par un portail. Un mage? Oui, sans doute. C'est le compagnon de Ciri. Et celui qui l'a blessé. Comment le sais-tu? Je n'en sais rien, c'est une supposition. Ils apparaissaient tous les deux dans les autres visions. Ciri a trouvé un allié puissant. Le mage qui accompagnait Ciri s'est enfui, lui aussi. Tu sais où? Lui aussi, il est parti à Vélène. Mais il n'est pas arrivé au même endroit que Ciri, apparemment. L'explosion a sans doute perturbé la téléportation. Je suis tombé sur Karames à Vélène. C'est peut-être une coïncidence, mais elle m'a parlé d'un mage qui cherchait Ciri. C'est sans doute notre homme. Qui que ce soit, il devient de plus en plus intéressant. Il reste peut-être quelque chose de celui qui a été touché par le sort. Le ciel se dégage. Sakasuri doit commencer à prendre le dessus sur la tempête. Ce qui veut dire qu'il ne va pas tarder à revenir à la charge. Vous êtes content, j'espère. Regardez un peu ce que vous avez fait. Krar sera informé de tout ceci, vous pouvez me croire. Ça m'étonnerait que ça lui pose un problème. Il a accepté de nous aider. Oui, mais quand il apprendra ce que vous avez fait... Calmez-vous. Le voilà, votre masque. À cause de vous, il est totalement inutile à présent. J'espère au moins que vous avez appris quelque chose d'utile. Très utile. C'est à Geralt que je m'adresse. Plus près de vous plus tard. Alors... Apparemment, une puissante malédiction a été lancée ici. Oui, c'est possible. En juger par l'état du bois. Vous savez qui en était la cible? Non,
Pas encore. Mais nous savons que Ciri était là, accompagné d'un mage. Ils sont arrivés par un portail. Ils étaient poursuivis et ils ont dû se battre. Ciri a été blessée, mais elle a réussi à s'enfuir. Vers où ? Velen, sans doute. Le mage a ouvert un portail pour elle avant d'affronter leurs poursuivants. Oui ? Et c'est tout ? Je crois que nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Je dois encore examiner quelque chose. Il a été projeté dans cette direction. Il y a quelque chose de coincé sous cet arbre. Tu veux bien... Oui. L'armure est propre, pas de sang, ni d'éraflure. Le mage a dû le... C'est quoi déjà le terme technique ? Vaporiser. Cette armure est magnifique. Mais cette technique m'est inconnue. Je n'arrive pas à savoir d'où elle vient. Probablement parce qu'elle appartenait à un cavalier de la chasse sauvage. Quoi ? C'est donc vrai. La chasse sauvage, c'est bien ce que je craignais. D'abord ici, puis sur Indartial. Mais que cherchent-ils ? Ils sont aux trousses de Ciri. Mais... pourquoi ? Le sang ancien coule dans ses veines. Ah. Elle descend en droite ligne de Lara Doran, c'est vrai. C'est même pour cette raison que toutes les femmes de sa famille ont des pouvoirs extraordinaires. Mais cela n'explique pas pourquoi... Ciri est exceptionnelle. Elle est capable de voyager d'un monde à l'autre. L'espace n'est pas un obstacle pour elle. Oh. C'est la raison pour laquelle la chasse sauvage veut la capturer. En parlant de la chasse, tu as dit qu'elle était apparue sur Indartial. Ça s'est passé une bonne quinzaine de jours après le cataclysme qui s'est abattu sur Arnskellig. Les spectres ont attaqué Lofoten à la tombée de la nuit, en plein blizzard. En soi, c'est déjà inhabituel à cette période de l'année. D'après les habitants de l'île, les spectres ont pénétré dans les maisons et massacré tout le monde avant de disparaître dans la nuit. Il y a des survivants ? Une poignée de femmes et un vieillard. Prochaine étape, Indartial. Je t'attendrai sur la plage, près de Lofoten. Entendu. À plus tard. Bonne chance. Préviens-moi dès que tu as du nouveau. Thank you.